La colère au siège du parti Ennahda à Tunis. Les militants du mouvement islamiste dénoncent l'arrestation de leur chef, Rached Ghannouchi. Il était dans le collimateur des autorités depuis des mois. Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahda, est actuellement à la caserne de l'Aouina. Jusqu'à présent, les avocats ont été interdits de rentrer et interdits d'assister à l'interrogatoire. L'arrestation de l'ancien président du Parlement survient après la diffusion ce week-end de cette déclaration filmée. La Tunisie sans Ennahda, sans islam politique, sans la gauche ou sans n'importe quelle composante de sa vie politique, c'est un projet de guerre civile, c'est un crime. Cette arrestation survient après plusieurs comparutions successives devant la justice, comme ici, en février dernier, pour des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, d'activités terroristes ou encore de blanchiment d'argent et de corruption. Les opposants au président Kaïs Saïed dénoncent l'accaparement des pouvoirs depuis son coup de force de juillet 2021 et sa dérive autoritaire sous couvert de lutte contre le terrorisme et la corruption. Depuis début février, plus de 20 opposants ont été incarcérés, parmi lesquels plusieurs ex-ministres, hommes d'affaires, militants et un dirigeant de médias.